Non. Je peux prendre le pad avec ça ou pas? Non, je peux prendre le pad avec ce truc là. Oh, oh, je peux dire le cancel. Oh les gars, on a trouvé un glisse de ouf. Oh mec, on a trouvé un glisse de dingue. Vas-y, let's go trouver une arme les gars. Et on va essayer de refaire le glisse qu'on vient de trouver. Pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Par contre, ouais, là, c'est le bordel. Hein. Oh non, il y a un shotgun. Oh non, il y a un shotgun, je peux pas le prendre. Ah, je peux prendre que les cartouches. C'est bon. Hey, hey, hey. Oh, pourquoi il y a ça? Il m'aide à le tuer, genre, il est gentil. Ah, moins gentil là déjà. Il y a un chasseur à gauche. Hein. Ok, il l'a pas vu, c'est cool. Là, il aurait clairement pu prendre le chasseur, enfin le shotgun. Guérissons-nous. Ok, nickel. Dès qu'on trouve un pad, les gars, on le retente. Il faut qu'on trouve un petit pad, mais ça devrait pas être trop dur. Il y a forcément un mec qui va en poser un. Hop là. Récupérons ça. Hop. Montant en hauteur. Oh merde, non. Ah, ça régène les points de vie en fait. Ça régène pas le shield, ça régène les points de vie. Je sais pas si vous avez vu du coup, mais là j'ai régène mes points de vie de ouf. Et c'est pas la slurp hein. Ok, d'accord. Donc la zone, elle régène aussi les points de vie quand t'es le HP, d'accord. Ok, pourquoi pas. Ok, du shield. Ah bah du coup j'ai beaucoup plus que ce que j'étais censé avoir hein, de base. Hop. Ok, récupérons ça. Mini shield, bon, pas d'utilité mais tranquille. Ok, on est pas mal. Donc là on a bien vu du coup l'effet de Grizzly. Oh non, ça va le refaire. Il veut partir. Y'a un mec derrière moi. Ah, il veut tellement mettre une balle de snipe lui. Une balle de shotgun pardon. Alors j'ai pas envie de faire un petit peu monter parce que tu connais, après on a plus de maths, tout ça. Ok, est-ce qu'il a un shotgun quelque chose? Non, il a rien d'intéressant, il a un sniper, bof. Je préfère la 4x je pense. Ok, prenons un tacos pour la boost speed. Pour courir vite et bien. Hop là. Oula. Ouais, sniper lourd. Ah, j'ai plus de maths. J'avais zéro maths, hein, donc je vais pas te mentir, j'étais pas serein. Non, on peut pas prendre des items, on peut rien faire. Combien? Ah, il pleut les tacos en fait, j'avais pas compris. Ok, d'accord. Pourquoi pas. Hein. Très bien. Il y a aussi, évidemment, la zone. Hein. Comme ça, il va de s'envoler. Oh merde, j'ai pas de maths, c'est trop la merde. C'est la clé. Les tacos, c'est maintenant, là, les tacos. Les tacos, venez! Putain, il a zéro maths aussi, c'est la merde! Attends, mais y'a plus de tacos là? Oh le bâtard, le truandard! Oh j'ai régène, let's go! Bon, j'ai qu'un seul piège. Si j'en avais plein, je pourrais le tuer à coup sûr. Oh là là là, le bordel. Débarque, il s'est pris une balle de snipe. Let's go. Y'a un mec dans le coin. Ok. Je vais prendre un tacos pour avoir la mousse pin. Ça me permet d'éviter les balles. En plus que j'ai pas de chasseur là. Oh, wow. On va tellement vite gros. Imagine le jeu avec cette vitesse là normale genre. Oh là là, on va tellement vite gros, c'est incroyable. La vitesse mec, c'est insane. Et je prends un dernier tacos pour me barrer et on court.
Mais à coup sûr que les mecs qui sont en dehors de la zone ils peuvent pas tuer, ça c'est sûr. Sinon les gens rageraient de ouf. Et par contre quand t'es dans la zone et que ça t'arrive, à voir du coup ce qui se passe, parce que c'est pas sûr que ça... C'est pas sûr que tu puisses pas le tuer en vrai. À vérifier, mais y'a peut-être moyen. Slap derrière. Ouais j'avoue, le pire j'aurais dû prendre la slurf pour pouvoir régén. Mais c'est pas grave, à mon avis là je vais peut-être pas prendre trop cher pour la zone. Hein. La move speed est insane. On va s'en sortir. Ok, go. Oh surf, let's go les gars. C'est parti. Ça, ça met très très bien ça. Ok. Donc quoi, vérifier pour le truc du pad. Parce que je pense que c'est... Il y a peut-être moyen que ce soit pas considéré pareil par le jeu. Parce que 100% quand les mecs sont en extérieur, ils peuvent pas tuer, ça c'est sûr à 100%. Sinon, juste, ils auraient toutes les remarques négatives du monde. Et ils sont habitués. Alors, j'ai très peu de mal, j'ai pas envie qu'ils... Oh merde. Oh putain. Oh Débarque, j'ai touché, il est tombé gros, il est mort et du coup j'ai le kill. Attends, mais comment il est mort? 1000% il est tombé d'une falaise, frère. Il a eu tellement peur. Let's go baby. Oh non, j'ai pas de shotgun putain. Je peux mourir en vrai, j'ai pas de shotgun. J'ai un shotgun chasseur de merde, un shotgun auto de merde. On se cache derrière l'arbre. J'ai un shotgun auto, hein. Je peux pas faire le malin en vrai. Hein. J'ai fait plein de kills mais... Mais à distance, la plupart du temps, parce que au corps à corps, je vais me faire défendre, je vais me faire détruire. Hein. J'ai clairement une arme de merde. Imagine, t'as 8 kills, t'as tué 8 personnes, et t'as pas un chasseur. Un plaisir. Et allez voir la vidéo sur Moistipal, les gars. Sur Moistipal, vous allez bien rigoler, je pense. C'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment, vraiment legit n'importe quoi. Mais c'est marrant, hein, mais c'est vraiment n'importe quoi. Mais c'est marrant, mais c'est n'importe quoi. Mais c'est marrant. Non, en vrai, c'est vraiment drôle. Pour le coup, un prop hunt avec des joueurs comme ça, c'est un prop hunt dans la game quoi. Un prop hunt en game Battle Royale. Bon, on va récupérer ça tranquille. Rien ici, ok. Tac, 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 ok. Paf, 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 paf. Oh merde. Oh, il a un shotgun et tout. Putain, j'ai toujours pas de shotgun, gros, arrête. J'ai toujours pas de shotgun, les gars, je l'ai tué au... Ah je vais mourir, hein. J'ai pas de shotgun, ça me casse les couilles. Je déteste mourir parce que j'ai pas de shotgun, ça me rend dingue. C'est un des pires trucs je trouve, vraiment. Ok, nice. Ok, super, on a récupéré un shotgun. Oh, tant mieux, parce que ça m'aurait fait chier de perdre pour ça. Hop là. Là le but toujours, c'est de... Quand t'as pas de shotgun, c'est de récupérer sur un mec qui... Hop là. Sur récupérer sur un mec qui est mort. Mestros 316, TRIARC, merci beaucoup, bon. Pour info, du coup, les gars, Borderlands, la zone Borderlands n'existe plus. Donc, parce que Borderlands, là, il vous reste plus deux jours d'ailleurs participer à la console si vous n'avez pas acheté le jeu encore avec mon lien. Et si vous comptez pas le faire, c'est pas grave, hein, mais si vous comptez le faire, eh bien... faites-le maintenant, parce que c'est maintenant ou jamais. Et il vous suffit du coup de m'envoyer ça sur Instagram. Et je tirerai au sort pour la console, donc PS4, Xbox, Switch, ce que vous voulez, tout simplement. Oh, j'ai eu peur. C'est quoi ce bruit là? Je sais pas c'est quelle arme. On va tenter le sneaky bullet, ça. Ouais, j'en étais pas sûr gros. J'ai voulu le trap mais j'ai pas de trap donc non, j'en ai qu'un. C'est pas suffisant. Très dur à... Enfin, c'est beaucoup plus complexe d'attraper un mec avec un seul trap qu'avec plusieurs. Là j'aurais pu le trapper par exemple. Si j'avais des traps il serait mort mais j'en ai qu'un.
Du coup, pour en avoir qu'un, faut que je trappe forcément au toit. Enfin, au niveau du toit, ouais. Ce qui est beaucoup plus complexe à mettre en place. Notamment sur un retake. Ok, ok. Je passe pas très haut comme ça. On est bien. Ah oh, putain, lui aussi j'aurais pu le trapper, ça fait chier quoi. Mais bon, faut avoir des trappes quoi. Oh putain, t'as combien de vie gros? Bon, c'était propre en vrai. Oh, il avait un bon stuff hein, le bâtard, hein. Waouh. Waouh. Il avait vraiment un stuff du feu de dieu quoi. Ah, c'est le dernier. J'aurais pas le temps d'utiliser, ouais. Un plaisir ça. J'ai pas vérifié si mon sniper lourd était bien rechargé. Et moi maintenant. J'ai pas mal de maths, ça c'est cool. Enfin, j'ai beaucoup de maths. Ouais. J'ai 3 trappes. Ça, c'est très bien. J'aimerais bien que la zone finisse à moitié palme, les gars. Comme dans la vidéo où on puisse du coup deviner où qui sont les frais et les faux. Ça aurait été parfait quoi. Plaisir, on a un milliard de maths, hop là. On consolide. Hop là. Bah voilà, j'étais enfin décidé à bouger. Hein. Merci pour le sabre, merci Fink. 3 trappes, j'ai 3 trappes, ça c'est lourd. Là on lui a refilé l'avantage. De toute façon sinon il aurait pas bougé, on passe mytho. Il a reperdu son avantage. Ah, la retake grâce à la map de training qu'on vous a fait les gars. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Oh, il joue pas à la hauteur lui hein, vraiment. Hein. Bien joué ça par contre. Hop. Si je rentre dans son box, il peut me all-in en vrai, enfin il peut me trap. Boom baby. Let's go baby. Et bah écoutez, une game aussi très sympathique à l'image de la game de Moisty Mayer, de Moisty Palm, je vous conseille de la regarder si vous voulez vous taper des bonnes barres au début, c'était assez marrant. Dernier jour pour Borderlands 3 les gars, donc n'hésitez pas à prendre Borderlands 3 avec mon code créateur Skyheart et ça ferait extrêmement plaisir. La game était marrante, j'ai passé un très bon moment, on a fait une dizaine de kills, peut-être une douzaine, je sais plus trop. Mais dans tous les cas c'était fun et j'espère que vous avez passé aussi un agréable moment. À bientôt pour d'autres games un petit peu fun. Et tous les mardis les gars à 17h on fera des games avec les subs et pas que les mardis, donc maintenant je vais vraiment essayer de faire participer à la communauté. Et si vous n'êtes pas sub, c'est pas très grave. Il y a eu 600 subs qui ont été offerts, même plus, donc clairement il suffit d'être sur les lives et vous recevez des subs gratuits. À chaque fois que je perds, j'offre des subs aussi. Et les subs sont à moins 50. Et Twitch Prime, c'est gratuit si vous avez Twitch Prime. Merci beaucoup les gars. C'était Sky. À bientôt. Ciao, ciao. Bisous. Et merci de suivre le contenu. Bisous, bisous. Ciao, ciao.